On s'était quitté avec Vladimir Cosma, La gloire de mon père. On se retrouve avec Vladimir Cosma, La gloire de mon père, en écoutant la musique. En l'occurrence, 2 minutes 20, c'est trop court, Twitter. Mais on va faire ce qu'on peut. Bienvenue dans les anniversaires du jour de Gérald et Olga, avec Gérald et Olga. Et donc, encore bravo hier à Benoît Dutorte qui nous a enchantés avec Vladimir Cosma. On l'avait rencontré, Vladimir, il y a 2 ans, en 2019. C'était la semaine de son anniversaire. Il programmait les 80 ans au Grand Rex. Et a priori, c'est cet automne que ça va se passer. On l'espère, on le souhaite. Et ça va nous servir aujourd'hui de bande-son pour les anniversaires du jour. Bienvenue dans les anniversaires. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 18 avril avec Lucrèce Borgia, le grand économiste David Ricardo et plus près de nous, Jean-Richard. Vous savez, c'est le commissaire Maigret, mais c'était aussi le directeur des cirques, Jean-Richard. Et c'est pour financer ces formidables attractions que Jean-Richard a été le plus célèbre. Commissaire du petit écran, on y revient, Jean-François Balmer et James Woods, plus près de nous. Et puis Laurent Baffy et Zazie. Allez, c'est parti. On dit au revoir à Vladimir Cosma et on se retrouve avec Jean-Richard ici. Le commissaire Maigret. D'après Georges Simenon, avec Jean-Richard. Tiens, on se remet même le début parce qu'il y a la sonnerie qui sonne, le téléphone qui sonne. Allô ? Maigret à l'appareil. Maigret à l'appareil et la musique qui suivait. James Woods, ici. Face à Robert De Niro. C'est bien sûr le plus grand chef-d'œuvre de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, avec devinez quoi, une musique signée Ennio Morricone. J'envie ceux et celles qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre absolu. Allez, Zazie. Et on se quitte évidemment avec la musique du maestro Ennio Morricone et la voix d'Eda Del Orso. Ici, Il était une fin d'Amérique. Un bon dimanche. À demain. À demain.